Bang bang. Hello! Alors salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière. Wow. Une vidéo un peu particulière. Du coup, on a dépassé les 15 000 abonnés. Je vous ai fait un petit live et je me suis dit que je peux aussi vous faire une vidéo qui resterait en ligne. Je vous ai proposé ce que vous préférez comme vidéo. Vous m'avez dit qu'une FAQ, c'est ce qui vous convenait le mieux. Du coup, on est parti pour la FAQ. Désolé à toutes les personnes qui m'ont envoyé des snaps le jour où je demandais de me poser les questions pour la FAQ. Donc les snaps auxquels j'ai pas répondu, les photos que j'ai pas pris, les questions que j'ai pas pris, voilà. Désolé, mais j'en avais vraiment, vraiment pas mal. J'ai essayé de répondre au max de questions, les questions qui pouvaient être les plus intéressantes pour moi en tout cas, enfin pour vous permettre de mieux me connaître. J'espère que ça vous plaira. Désolé du coup si vous n'apparaissez pas dans cette vidéo, mais sûrement dans une prochaine. Et si vous avez des choses à me demander, demandez-les moi sur Snap, vous savez que je réponds. Bonne vidéo, let's go! Sans déconner, j'ai le cerveau vide, les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. Donc on est parti, juste avant, je n'ai pas cette fois mis le nom des personnes sur Snap parce que la dernière fois, pour les 10 000 abonnés, le Calling People, et quand j'ouvrais vos snaps, toutes les meufs qui étaient sur Snap, vous les avez tous ajoutées. Tous les mecs, ils ont ajouté toutes les go. On n'est pas sur Mythique, on est sur Workout Brothers, c'est pas Workout Brothers, une nouvelle chaîne porno, Workout Brothers, hein. Arrêtez d'ajouter toutes les meufs qui étaient sur Snap parce qu'elles sont toutes venues en mode Lucas, on n'aurait pas dû apparaître dans ta vidéo, c'est une galère maintenant, donc s'il vous plaît, ne les ajoutez pas la prochaine fois si vous les voyez. En tout cas, cette fois je me suis dit, je vais juste mettre les têtes, pas de photos, enfin pas de nom, comme ça vous pourrez pas les ajouter, je vous ai bien... Mec. Donc première question, donc ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne YouTube. Donc ce qui m'a donné envie de faire ma chaîne YouTube en fait, c'est vraiment de créer un parcours, un projet en fait en même temps que mes abonnés et réussir à progresser dans la musculation avec mon corps, mais en même temps que mes abonnés, ça veut dire apprendre avec eux, leur apprendre ce que je sais, qu'eux aussi me donnent plein de conseils. C'est comme ça que ça marche sur ma chaîne, c'est pour ça que je réponds à tous vos commentaires. Même si vous me critiquez, vous me dites ouais ça ferait mieux le faire comme ça, et bah je vous écoute. Et après quand je vais à la salle, j'essaye, je vois ce que ça donne. Et voilà, c'est vraiment essayer de faire un groupe, de progresser tous ensemble. C'est là un peu Workout Brothers, Workout Family, enfin voilà, on est un peu un groupe. Et c'est ça que j'aime vraiment, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chaîne YouTube. Et ça a marché, je suis vraiment des plus heureux. Tu es en couple, enfin t'es en couple. Non, je ne suis pas en couple. Alors tu fais du sport depuis combien de temps? Alors ça fait 2 ans que je suis inscrit en salle. Mais réellement, j'ai réellement commencé le sport avec ma chaîne, donc du coup ça fait 7 mois, 7, 8 mois à peu près que je fais réellement du sport à fond. De quoi es-tu le plus fier chez toi? Eh bien écoutez, ce que je suis le plus fier chez moi, c'est vous. C'est vraiment réussir à avoir créé une communauté, une chose où on est tous comme ça, solidaires, proches. Quand je vois que dans mes commentaires, vous me soutenez, qu'il y a des personnes qui peuvent se faire insulter dans les commentaires, vous-même, vous venez les soutenir, tout ça, vraiment, moi ça me touche en plein cœur de voir qu'on peut être soudés comme ça parce qu'on est tous, on a tous le même combat, on est tous... On est fan de muscu, on a tous envie d'avoir un beau corps, d'être bien dans notre peau. Et c'est ça qui nous unit, c'est ça vraiment dont je suis le plus fier, c'est de réussir à avoir réuni des gens, à avoir motivé des gens et à faire que vous fassiez du sport si vous n'en faisiez pas et que vous atteigniez vos objectifs. Bang. As-tu déjà porté un appareil dentaire? Eh ben écoute, la preuve en image, juste là. Donc franchement, j'étais vraiment pas très 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 beau hein, avec mon petit appareil et mon billet, mon faux billet de 500 euros que je suis en train de mordre. Mais bon voilà, en tout cas, j'ai porté un appareil dentaire. On a tous eu des petits moments dans notre vie un peu chiants comme ça. Mais bon, il faut les passer pour après être comme on veut. C'est comme le sport, ça saoule. Bon, à part que le sport, moi j'espère en faire toute ma vie avec l'appareil dentaire. Heureusement, ça s'arrête. Mais en tout cas, ça saoule, ça fait mal, mais... Quand c'est fini, on est content. Alors, quels sont tes perfs au développé couché, soulevé terre et squat? Alors, développé couché, mon max est à 100 kg. En soulevé terre, il est à 130. En squat, il est à 100 kg. Voilà, c'est jamais en une rep, c'est toujours en 2 reps. Le squat, je suis quand même à 6 reps à peu près à 100 kg. Et le soulevé terre, pareil, à 6 reps à peu près. Alors, tu as pris combien de kilos en 10 mois de muscu? Eh bien, écoute, on va plus dire, c'est plus 8 mois à peu près. Et du coup, j'étais à 60 kg quand j'ai commencé, je suis à 74, j'en ai pris 14, donc je suis vraiment super content, sachant que j'ai fait une grosse prise de masse et une bonne sèche. En tout cas, là, je suis super bien dans mon corps, je me sens super bien et je compte pas arrêter maintenant. Taille, poids, âge, alors j'ai fait 1m82, 74 kg et j'ai 18 ans. Alors, tu comptes rester blond? Eh ben écoute, non, pas du tout, c'est juste que là, j'ai fait ça, ça coûte assez cher de faire ça, je l'ai fait par rapport au défi que vous m'aviez lancé. Pour l'instant, mes cheveux, ils sont vraiment dans un sale état au niveau de la matière ou autre. Donc, du coup, je vais quand même un peu attendre qu'ils redeviennent un peu près normal et après, je referai une couleur, mais voilà. Pour l'instant, je vais un peu rester blond, moi, ça change, ça me fait délirer, moi, ça fait
18 ans que j'ai la même couleur de cheveux, ça me fait bien marrer. Donc pour l'instant, je vais un petit peu rester comme ça. Après, oui, je vais redevenir blond, ne t'inquiète pas. Que t'a apporté ton nouveau mode de vie? Bah écoute, si tu parles de mon nouveau mode de vie par rapport à la muscu, tout ça, c'est vraiment, en fait, ça me met vraiment bien tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève, je sais que j'ai la muscu, je sais que je vais manger ça, je vais manger ça. Et franchement, moi, ça m'aide à être carré dans mon organisation, à faire bien toute ma journée, à bien organiser, en fait, ma journée, mes repas, être bien dans ma peau, avoir de l'énergie, pas être fatigué. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble qui me met de bonne humeur, qui me met bien dans ma tête. Et vraiment, je trouve ça magique. C'est pour ça que j'arrête pas, c'est pour ça que je continue. Et c'est pour ça que je vous pousse, vous, en fait, à faire ça, parce que je vous jure, c'est vraiment magique. Est-ce que tu nous aimes? Eh ben, écoute, je vous aime. Comme ça, je sais même pas comment est-ce que je vous aime. Vraiment, tout ce qu'on a réussi à faire, là, en 8 mois, on est déjà à 15 000 abonnés. Je suis vraiment super content. Je m'attendais vraiment pas à faire tout ça. Je suis vraiment super heureux. Merci de tout le soutien que vous m'apportez parce que, voilà, j'en vois pas mal des chaînes qui peuvent avoir peut-être plus d'abonnés que moi ou autre. Mais vous, je vois toutes les vidéos, vous commentez un max, vous mettez un max de pouces bleus, vous m'envoyez plein de questions. Vous êtes vraiment super, super actifs et vraiment, ça me touche en plein cœur. Et comme vous l'avez vu, avec le concours MyProtein qui date maintenant d'il y a 4-5 mois, ils étaient même eux choqués de voir que j'ai réussi à ramener autant de monde qui ont voté pour moi. Et voilà, vous êtes vraiment une communauté géniale et je vous adore et voilà, je vous aime plus que tout. Ta motivation pour la muscu, eh ben écoute, c'est exactement ce que je venais de dire. Ma motivation, c'est vraiment vous. C'est grâce à vous aussi parce que vous pensez que c'est moi qui vous motive tous les jours en vous disant voilà, faites ça avec mes steps. Mais en fait, vous-même, quand vous dites ouais, voilà, t'es super, tu nous motives, ton corps il est beau, nanana, toutes ces choses-là, ben moi aussi, ça me motive en fait et c'est ce qui me donne envie de continuer, de pas lâcher, de tout défoncer. Comptes-tu faire une vidéo avec Thibaut InShape? Alors écoute, on avait parlé de ça avec Thibaut, c'était prévu, je vais pas vous dévoiler quelle vidéo est-ce qu'on avait prévu, mais en tout cas c'était prévu, j'attends sa réponse pour l'instant, parce que là pour l'instant il a arrêté de me répondre, mais en tout cas si vous voulez une vidéo avec lui, bah pensez aussi à lui dire, parce que c'est ça aussi, c'est de montrer que vous êtes une grosse communauté, que vous êtes là, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, que vous pouvez faire bouger les choses, donc faites bouger les choses, si vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble, allez lui dire et peut-être qu'on fera une vidéo ensemble. Depuis que tu étais petit, tu as fait un autre sport? Alors écoute, quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup d'athlétisme et de handball, voilà. C'était mes deux sports favoris quand j'étais petit, j'en ai fait pendant assez longtemps quand même. Athlétisme, j'ai dû en faire 5 ans et le hand 3 ans. Donc ouais, franchement, j'avais bien kiffé, mais maintenant, muscu, t'inquiète. Alors, ça, j'en ai reçu, je sais pas combien, on m'a demandé de faire des meet-up, donc des rencontres abonnées pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est juste, on se donne un point de rendez-vous dans une ville, Paris, Nantes, Bordeaux, Rouen, j'en sais rien. Et on se voit avec toutes les personnes qui sont là, je sais pas, on peut être dans une salle, on peut être dehors, on peut être dans un restaurant, j'en sais rien. Mais voilà, en gros, c'est juste faire une rencontre. Et bah écoutez, moi, je serais ravi vraiment de faire une rencontre parce que j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de vous connaître, de voir ce que vous faites, comment est-ce que vous gérez la muscu, comment est-ce que vous avez commencé. Voilà, tout ça, moi, vraiment, ça m'intéresse. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu de monde pour pas qu'on se retrouve à deux parce que ça serait, on serait sûrement un peu mal à l'aise ou autre. Pour ça, je vais vous dire, si vous voulez faire un meet-up, essayez de réunir un maximum de monde, je sais pas, faites un groupe, faites un truc, vous essayez de réunir un maximum de monde. Et si dans une ville vous arrivez voilà, à réunir pas mal de monde que je suis intéressé, bah écoutez, je prendrai un billet de train, je viendrai passer la journée dans votre ville, on passera une journée ensemble, je sais pas, on ira à la salle. Mais en tout cas, voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir de faire des meet-up dans un peu... dans plein de villes, voilà, à Paris, comme je t'ai dit, toutes les villes que je vous ai dit, moi je m'en fous, je peux aller partout, mais voilà, suffit qu'il y ait un petit peu de monde pour qu'on puisse passer une journée assez cool. Du coup, si vous voulez des meet-up, essayez d'en créer, essayez de faire en sorte que du monde vienne, et dans ce cas-là, moi ça sera avec plaisir. Alors, tu joues à quoi sur la Xbox One? Écoute, Xbox One, je ne joue que à FIFA et Halo. J'y joue pas très souvent parce qu'avec la muscu et les cours, c'est assez compliqué, mais de temps en temps, le week-end, quand même, j'avoue, je geek un peu. Alors, tu as des projets avec d'autres youtubeurs? Eh bien, écoute, mon projet principal pour l'instant avec d'autres youtubeurs, ça va être avec TobyProl. Donc c'est la chaîne de Marine et Damien, donc ils sont ambassadeurs MyProtein. Je vais sûrement faire une vidéo avec eux qui sortira dans pas trop longtemps. Là on est en janvier, on devrait la tourner dans ce mois-ci. Ensuite voilà, il y a pas mal d'autres vidéos qui arrivent ensuite, en tout cas moi avec des collaborations, pas avec d'autres youtubeurs mais avec des amis, avec... je vais essayer de trouver une fille pour faire une vidéo, si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous êtes une fille, vous habitez en région parisienne, ou vous êtes souvent sur Paris, vous êtes sportive, contactez-moi, on pourra peut-être faire une vidéo ensemble. Mais voilà, pour l'instant, c'est un petit peu mes projets. Si des youtubeurs viennent me demander, bah écoutez, ça sera avec plaisir. Sur ce, moi, j'ai fini ma petite FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre à un maximum de vos questions pour que vous appreniez un peu à me connaître davantage, que vous appreniez à connaître peut-être le futur de cette chaîne, notre futur ensemble, en tout cas cette aventure. Je ne la vis pas tout seul, j'habite avec vous et c'est ça qui est magique. Donc vraiment, merci pour tout, merci pour les 15 000 abonnés. Je vous aime, prenez soin de vous, restez branchés, entraînez-vous bien. Peace!
quand ça pue, ben je casse ma puce. Le poche, on fait la